Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur DJ Info TV. Pour notre vidéo ça et me faire tout simplement me présenter un jeu haïtien et bien là qui t'a me pense que qui t'a bien tiré sélection nationale là, je suis là très jeune, seulement 23 ans. Et bien là les mêmes il faut dire tout 100% haïtien, maman et papa c'est haïtien qui donc 100% et origine haïtienne là. Et bien là monsieur cap joué qui était passé dans Paris Saint-Germain, qui était passé dans l'équipe dans Bundesliga là. Et bien monsieur là sont très bons joueurs et dans le commencement qui était promet en pile mais qui pas fini arriver dans point que t'a tenir mais quand même si un bon bout de joueur j'aime dire non. Et bien je pense que monsieur était capable de sélection nationale là en pile et au moins que dirigeant ou t'a pas convaincre lui bon mais c'est pas cas en ça. Et bien là bon bon petit projet pour on va présenter nos joueurs, bon bail nos petit calé biographie lui. Et puis comment ça y est avec ça, ok? Et puis tout le monde nous non etc. Red Bunch, je vais tourner à vous en visiteur. Et bien là, des joueurs qui m'a parlé, hein, c'est Jean-Kevin Augustin, monsieur là qui fait en France, à Paris, en 1997, 23 ans seulement, j'aime dire dans le commencement de la vidéo. Maman li papa li c'est haïtien, ok. Et monsieur là, en 2015, qui était fait deux buts professionnels avec Paris Saint-Germain, 8 avril 2015, non semi-finale dans la Coupe de France, face à Saint-Etienne. Côté Paris Saint-Germain, lui-même te bat 4-1. Mais là, tu jeune grenadien là, monsieur là qui était commencé dans Paris Saint-Germain avec un volume qui est un peu mon tabatant dans le de lit. Par exemple, quand je dis que en 2014, je fais partie top 40 meilleurs joueurs dans le monde selon De Guardian, catégorie 1997. Et en 2016, je fais partie top 50 meilleurs joueurs U18 dans le monde. Et en 2016, considéré comme meilleur joueur championnat Europe et U19, meilleur buteur championnat Europe dans la même année, ça tout. Et avec un peu l'autre bagage très intéressant encore, on peut imaginer que c'est un petit jeu qui t'est pour mettre en pile. N'a pas le mal resté à trouver toute petite nationale en fonctionnet, Super Coupe de France, Coupe de France, Ligue 1, Coupe de la Ligue. Exactement, Ligue 1, deux Coupes de France, une en 2015, une en 2016, et deux Super Coupes de France dans la même année et tout. Et une Ligue 1 en 2016. Et puis, il y a une Coupe de la Ligue en 2016. Et puis, sans pas oublier le titre qu'il sort avec Leeds en Angleterre. Là. Donc, on est Leeds. C'est un club qui fait monter en première division. La deuxième division, eh bien, il était champion national, deuxième division anglaise. Là, là. Et je suis ensemble avec l'équipe Leeds dans l'année ça. Et puis, je suis gagné un titre dans le palmarès. Puis, à l'événement international, il a gagné un titre Eurocopa U19 là, avec sélection française. Là. Et en 2016, c'est dans le même championnat ça qui était meilleur but et puis meilleur joueur dans le championnat ça. Et bien là, comme si là, il y a un petit bagage. Si nous t'as prêté attention, t'as entendu l'homme dire qu'il était débuté avec Paris Saint-Germain, que donc Paris c'était le premier club lui. Et bien là, en 2017, il était quitté Paris pour être dans l'Exip, club allemand là, pour une somme de 16 millions d'euros. Et en 2019, l'Exip était prêté à Monaco, de Monaco retourné dans l'Exip. L'équipe est retourné pour être à Leeds, retourné dans l'équipe encore. Et puis actuellement, là, je suis dans Nantes, un club dans le pays de la France, dans la Ligue 1. Et bien là, performance dans le championnat, c'est comme ça. Nous avons dans l'Europa League, il joue un total de 12 matchs, marqué 4 goals avec une passe goal, une passe décisive. Dans la Ligue 1, on joue 33 matchs, 2 goals, très pauvre. Dans la Bundesliga, on joue 42 matchs, marqué 12 goals, 5 passes décisives, pas mal du tout. Et puis dans la Coupe de la Ligue, on joue 4 matchs, marqué un goal et puis 2 passes décisives. Et bien là, monsieur là, et bon, définitivement, c'est un joueur qui a été sélectionné un peu, j'aime te dire dans le commencement de la vidéo. Mais j'espère que bien peut-être des gens nous ont convaincu parce que même si tu commencé à jouer avec la catégorie inférieure à la France, par exemple dans U16, U17, U19, ok. Mais monsieur là. La France, la difficile pour la France d'avoir les libres, parce qu'elle a besoin de temps pour le Suarez, Cavani, etc. Mais il est capable de jouer le gauche et le droit. Donc, je suis capable de bien utiliser à l'aise. Mais là, j'espère que le dirigeant fixe les yeux sur monsieur
Et puis gagne un joueur encore une qui a fait vidéo comme si sur qui pas jouer dans sélection qui tape Kaiti en pile tant que Kanedi Antoine tant que Belgarde. Et puis sur le joueur encore fait connait dans commentaire si nous même fait vidéo comme ça encore pour parler de joueur qui tape petit nous dans sélection. Voilà et quoi me dire tout temps de game de dinosaure jeune grenadien là et la prochaine vidéo bye bye ciao à la prochaine.